Bien-aimé, bonjour. Je vais vous montrer avec une petite balle, c'est pas une balle officielle, mais comment faire le crochet au football anglais. Le crochet. Alors, vous mettez les pieds à largeur d'épaule. Normalement, il faudrait être en train de courir. On peut pousser la balle comme ça en avançant, en courant. Là, on va le faire de façon statique. Je vous montre le crochet. C'est simplement, vous faites d'une fente de corps à gauche, vous penchez les épaules, vous fléchissez le genou gauche vers la gauche pour faire croire à l'adversaire que vous allez à gauche et vous allez à droite. C'est juste ça. C'est une fente de corps. Je fais un peu plus rapidement et vous poussez à gauche, à droite, pardon, et vous courez avec la balle. Vous y allez. Ça, c'est le crochet. Malheureusement, il n'y a personne qui peut filmer, donc je suis obligé de le faire tout seul. Vous faites seulement d'aller à gauche et vous poussez à droite et vous courez avec la balle. Ou vous pouvez faire ensuite une passe à votre coéquipier. Ça, c'est le crochet. Je le refais encore une fois. Ça, c'est le crochet au football anglais. Bien sûr, les balles officielles, elles sont plus grosses, mais je n'ai que ça là. Une dernière fois. Vous pouvez aussi faire sous forme de contrôle. Si quelqu'un vous fait une passe, imaginons la balle, elle arrive comme ça, elle arrive vers vous et vous voulez contrôler. Imaginons que la balle arrive comme ça vers vous, qu'on vous a fait une passe et vous contrôlez avec l'extérieur du pied, vous allez à droite. D'accord? Ça, c'est le football anglais, le crochet à droite. Allez, soyez tous bénis. À la prochaine. Ciao.